dans cette émission-ci, nous allons circuler à travers la colonne d'eau pour suivre nos amis les rorquals et les baleines à fanons. Dans une émission ultérieure, nous irons avec les baleines à dents. Dans ce deuxième segment sur les mammifères marins, nous allons porter notre attention sur les cétacés. Chez ces derniers, que nous connaissons mieux sous la dénomination de baleines, il existe deux sous-ordres, les odontocètes, soit les baleines avec des dents, et les mysticètes, les baleines à fanons. Concentrons-nous d'abord sur les baleines à fanons, les plus impressionnantes et les plus grosses baleines connues qui fréquentent nos eaux. Les rorquals à bosse arrivent au printemps et passent le plus clair de leur temps à s'alimenter avant de retourner au début de l'hiver dans les mers chaudes, là où les femelles mettront bas, évitant ainsi un choc thermique pour les nouveau-nés. Un peu plus tard, les mâles courtiseront les femelles pour assurer la prochaine génération. Ces rorquals sont sociaux et collaborent en groupe pour assurer leur alimentation et pour se déplacer lors de leur migration. Opportunistes, ces baleines se nourrissent de différents organismes. Le terme « rorqual » fait référence aux baleines qui ont des sillons gulaires et des poches extensibles qui leur permettent d'engouffrer des quantités astronomiques d'eau et de proie. Pour leur part, les rorquals communs commencent tout juste à dévoiler leurs secrets. Ils fréquentent le grand large durant l'hiver et nous ne connaissons à peu près rien de leur cycle de reproduction, si ce n'est que nous assistons, au début de l'automne, à des formations de couples et à des combats entre mâles que l'on qualifie de « rumba » dans le Saint-Laurent. Même constat pour les rorquals bleus, dont on connaît à peu près rien en dehors de nos eaux. De grandes mystérieuses qui ont des parcours imprévisibles. Il arrive que deux espèces différentes se côtoient pour des bénéfices mutuels, étant mangeurs de plancton, comme dans ces images prises dans le golfe du Saint-Laurent. Les petits rorquals, de leur côté, arrivent dans nos eaux avec la manne du caplan, ces petits poissons fourrage qui nourrissent la plupart des animaux marins.
Ce faisant, ces rorquals sont faciles à observer de la côte, car ils prennent au piège les caplans venus déposer leurs œufs sur les plages. Des pièges naturels que leur offrent les reliefs côtiers. Grâce à leurs taches blanches déployées sur leurs nageoires pectorales, ils effraient les poissons, qui se retrouvent alors en masse compacte et deviennent plus faciles à engouffrer. Les rorquals bleus sont planctophages et leur nourriture est essentiellement composée d'euphosides appelés communément le krill. Cette espèce de baleine est dite spécifique. Les autres rorquals ont des menus assez variés. Autant les poissons que le plancton font partie du menu des différents autres rorquals. Harengs, maquereaux, lançons, caplans, éperlans, alose savoureuse, bref, une panoplie d'espèces sont autant de proies pour les grands rorquals. Selon l'état annuel des stocks, ils pourront accéder à des ressources sûres. Les populations de grands rorquals ont évolué différemment selon les espèces depuis les grandes chasses des 19e et 20e siècles. Selon l'espèce, la variation des populations est soit à la hausse, comme les rorquals à bosse et les petits rorquals, ou encore stable ou à la baisse, ce qui laisse présager une situation préoccupante, sinon dramatique, comme pour le cas des baleines noires. Ces baleines, qui sont des écrémeuses plutôt que des engouffreuses, appartiennent à une autre famille de baleines à fanons qui arpentent les eaux du Saint-Laurent. À cause du réchauffement des eaux au sud, ces baleines étendent leurs aires de fréquentation vers le nord, à la suite de l'amenuisement des ressources alimentaires au sud et le long de la côte nord-est américaine. Les empêtrements dans des cordages d'engins de pêche se sont multipliés dans des zones où les pêcheurs n'étaient pas habitués à côtoyer ces géants des mers qui ont atteint un statut de conservation critique. Ainsi, depuis quelques années, la mortalité des baleines noires s'est multipliée, faisant passer les effectifs de 500 à plus ou moins 300 individus, menaçant grandement l'avenir de cette espèce. Dans le Saint-Laurent, nous avons l'habitude de croiser environ 13 espèces de cétacés. En réalité, ils sont plus nombreux à côtoyer nos eaux, et la diversité des espèces augmente au gré des changements climatiques. Le changement des frontières de température force certaines espèces à explorer les limites de leur territoire, et on assiste à l'intrusion de cétacés qui sont observés normalement plus au sud, comme cette baleine à bec de True venue s'échouer dans la baie de Sept-Îles à l'automne 2022. Les baleines ont une origine terrestre. À ce niveau-là, après 50 millions d'années d'évolution, les rorquals sont devenus des mangeurs de plancton, ainsi que les baleines. Donc, ils puisent d'énormes quantités d'eau pour aller chercher les micro-organismes qui y vivent. À ce niveau-là, ils ont développé de très grandes mandibules, des puisses énormes. À titre d'exemple, un rorqual bleu peut avaler 25 tonnes d'eau. Pour cette raison, l'ensemble de la contamination de l'eau par les déchets de plastique devient une problématique importante. On retrouve occasionnellement des animaux échoués le long des plages, des berges, avec des estomacs remplis de plastique. Une autre problématique, à très court terme, c'est les engins de pêche, les empêtrements, qui font en sorte que les animaux subissent des blessures affreuses. Et souvent même ont occasionné des mortalités importantes, empêtrées dans les cordages, les cages et les filets. Mais il y a aussi d'autres problématiques reliées à la navigation, mis à part les collisions. Il y a aussi le fait qu'on s'est rendu compte tout dernièrement que l'ensemble de la pollution sonore générée par les grands navires fait en sorte que ça rend littéralement les animaux aveugles,
En effet, c'est un peu comme des chauves-souris, les baleines. Et ça fait en sorte qu'ils vont repérer leur proie, ils vont échanger entre eux, ils vont aussi se localiser à l'intérieur du milieu marin à partir d'émissions sonores. Lorsqu'arrive un grand navire et qui génère de la pollution au niveau de la cavitation des hélices, les radars et tout ce qu'entraîne la pollution sonore des grands navires, ça fait en sorte qu'on handicape grandement la possibilité de survie de ces animaux-là. La productivité des océans est assurée par la libre circulation des nutriments. Or, avec le réchauffement, il y a des frontières physiques, thermiques et alines qui se produisent et qui empêchent les nutriments de circuler. Les grands orcales, par l'intermédiaire de leur palmage, permettent les mélanges d'eau et, par le fait même, la libre circulation des nutriments. Dans la prochaine émission, nous apprendrons à connaître les baleines à dents.